À quoi vont servir les finances records collectées par le Trésor public ? Édition spéciale, ce jeudi 12 mai, après le journal de 19h. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Face aux performances historiques actuelles du pays du point de vue de ses recettes propres, il prône la nécessité d'un collectif budgétaire. Adolphe Mouzito s'explique, ce jeudi 12 mai, après le journal de 19h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci à Eric Ambago pour la grande édition du journal de 19h. Que devra faire le gouvernement de l'argent exceptionnellement récolté au mois d'avril? On parle d'1,7 milliard, un record. Jamais le Trésor public n'avait en un mois reçu autant d'argent. Les raisons, elles sont là. Le ministre des Finances les a expliquées en Conseil des ministres avec notre invité. Nous allons revenir sur ces détails. Pour l'ancien Premier ministre que nous recevons aujourd'hui, ministre honoraire du budget, inspecteur général des finances toujours en fonction, il est en mise en disponibilité parce que député, je suis donc toujours agent de l'État, nous a-t-il dit. Pour Adolphe Mouzito, tout cela doit passer par l'Assemblée nationale. Ce que le gouvernement voudrait faire désormais, il doit le faire au regard de ce que dit la loi, au regard donc du budget. Adolphe Mouzito qui appelle à un collectif budgétaire, édition spéciale avec lui. Ce soir, nous recevons ce jeudi, bonsoir Monsieur Mouzito. Bonsoir. L'élu de Kikwit au Kwilu. Alors, vous dites sur Twitter, je vous cite, performance historique actuelle du pays du point de vue de ses recettes propres. Autant dire que vous félicitez ce record, ou que, au moins que vous le saluez. Oui, je salue, je félicite les records, réalisés par le pays. Bien sûr que ça se fait dans le contexte d'un gouvernement précis, d'un pouvoir précis. Mais c'est des performances du pays, parce que, et d'ailleurs le ministre des Finances et du Budget qui ont relevé ces records, n'ont pas donné une ventilation en termes quantitatifs pour dire quelle est la part de l'effort de l'administration, la part de l'effort du leadership politique, et quelle est la part de la réalité lié à la conjoncture économique internationale qui fait que, puisque nous sommes un pays exportateur du cuivre, du cobalt, et que les deux produits ont connu une hausse de leur cours de sous le marché international, et donc le pays a donc réalisé beaucoup de recettes d'exportation, et cela se dégage comme étant une partie de l'assiette fiscale sur laquelle l'administration fiscale a opéré des prélèvements. Le ministre ne s'est pas expliqué, il s'est expliqué au Conseil des ministres, il ne s'est pas encore expliqué officiellement. Vous qui voulez savoir pourquoi ces résultats sont là, vous saluez déjà, c'est une chose, on le note, la performance réalisée. Selon vous, elle n'est pas due, ou elle ne serait due qu'à des conséquences ou des faits exogènes à la gestion actuelle? Oui, principalement. Christian, je voudrais te dire d'abord que notre système fiscal et douanier ne sont déclaratifs. Ça signifie que tout ce que nous réalisons comme recette au niveau des différentes administrations relève de la volonté du contribuable. C'est lui qui dit ce qu'il doit. Mais qui peut être attrapé en fraude s'il n'a pas déclaré ce qu'il devait. Par la suite. Mm-hmm. Encore faut-il que l'administration concernée engage des redressements fiscaux ou douaniers pour établir les contentieux. Oui, mais cette déclaration... Et c'est alors, parce que le principe, d'ailleurs, dans les traditions, le principe veut que l'administration doit aller au-delà des 5% en termes de redressement par rapport à ce qui a été déclaré par la seule volonté du contribuable. Oui, c'est alors qu'on peut mesurer, par ce qu'on appelle recette contentieuse, qu'on peut mesurer l'effort de l'administration fiscale. Déclaration, c'est déclaratif, vous dites, donc vous dites que c'est... Ce que nous avons, c'est performance d'un milliard sept. Et d'ailleurs, c'est plus un milliard sept, c'est, je crois, plus ou moins deux milliards. Déjà ? Absolument, parce qu'il y a une partie des recettes qui venaient de rentrer dans l'escarcelle de l'administration de la DGI, et qui vient d'un contribuable qui a, en fait... qui a déclaré et payé au mois d'avril. Mais malheureusement, la procédure au niveau de la Banque centrale a été d'autant plus longue que finalement, l'imputation devra se faire au mois de mai.
peu importe, mais ça va toujours pour le mois de mai. C'est à présent, j'ai dit, une augmentation aussi et d'un dépassement de telle sorte que l'horizon 2022 pourra, et c'est ce que nous demandons d'ailleurs au gouvernement, de nous donner l'horizon en faisant un collectif budgétaire et en nous donnant un autre cadre macroéconomique. Donc ce sera plus 1,7 milliard, ça va être 2 milliards. Ça montre que très, très rapidement, d'ici là, nous pourrions atteindre 4 milliards d'additionnels, ce qui veut dire que là, au niveau de l'exécution, le budget dans ton ensemble va aller de 7 milliards de prévus, 7 milliards 300, à plus ou moins 11, voire 12 milliards. Donc il y aura un 4 ou un 5 milliards d'additionnels qui doit faire l'objet de d'un collectif budgétaire. C'est plus ou moins ce que je demande à ce pouvoir. Donc on devrait avoir un budget interne et externe environ de 15 milliards. Je n'aime pas beaucoup parler du budget externe parce que généralement c'est des prévisions qui ne font pas l'objet d'exécution, de réalisation. Je préfère me limiter au budget interne ou au budget de dépenses courantes, plutôt des recettes courantes et dépenses courantes aussi, sur lesquelles nous pouvons travailler et plus ou moins, c'est des recettes récurrentes, des recettes pérennes qui sur base desquelles nous pouvons déjà envisager l'avenir de manière souveraine en tant qu'État. Vous dites donc déclaratif, donc aujourd'hui, ce qui a été payé, c'est le bon vouloir de ceux qui voulaient payer. Des contribuables. Sans crainte. C'est ça notre cible. Il est prévu maintenant qu'il y ait un redressement des contrôles au premier ou au second degré, pour que on puisse voir ce que l'État estime comme étant dû par l'administration. Nécessairement, il y aura un redressement. Donc à ces jours, nous ne pouvons pas encore mesurer l'effort de l'administration fiscale à proprement dite. Mais l'administration fiscale, c'est ce que ces sociétés payaient l'année dernière. Donc ce côté déclaratif, il y a aussi un peu la crainte du gendarme. Est-ce qu'on ne peut pas non plus mettre absolument cette augmentation sur le fait qu'aujourd'hui, notamment, il y a l'IGF, on a peur de faire de mauvaises déclarations. On peut l'imputer à l'inspection générale des finances qui, avec ses contrôles, essaye probablement de pousser les opérateurs économiques à approcher plus ou moins un certain niveau de déclaration qui correspond à la vérité. Mm-hmm. Mais cela n'empêche que l'administration fiscale, c'est-à-dire la DGI, la DGRA et la DGDA, puissent procéder à un redressement, quitte à ce que l'inspection fasse une contre-vérification secondaire. Vous saluez le pays, vous ne saluez pas l'action du gouvernement là-dedans? Je ne sais pas encore quel est l'effort du gouvernement à proprement parler, j'insiste sur le fait que jusqu'ici, nous avons ce que les opérateurs, ce que les miniers ont choisi de payer. C'est après que nous pourrions voir s'il y a redressement. Même si, plus ou moins de manière marginale, il y a aussi un logiciel qu'ils ont installé, il y a une informatisation qui permet de retracer de la constatation jusqu'au paiement, qui permet de retracer plus ou moins les recettes, qu'il y a moins de fuites. Mais quelle est la portion de quel est l'impact de cette informatisation sur l'évolution des recettes? Jusqu'ici, nous n'avons pas encore mesuré et le gouvernement ne l'a pas dit. Vous ne l'avez pas encore mesuré, mais nous, au gouvernement, on nous a dit que, à lire le compte-rendu du Conseil du Conseil des ministres, les raisons sont les suivantes. L'échéance fiscale d'avril consacrée au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, c'est déjà favorable. Deux, l'envolée des cours des matières premières, là on vous donnerait peut-être raison, à l'international, cuivre et cobalt qui entraîne des retombées positives sur les chiffres d'affaires des entreprises minières, ça c'est ce que vous dites, ce qui serait la seule raison, ou presque. Le paiement des super profits, une première depuis l'application du nouveau code minier, qui a 4-5 ans, mais qui commence à être appliqué que maintenant. La digitalisation, vous dites que c'est un logiciel, mais ce n'est pas peu. La digitalisation par le logiciel IsisRegis qui a consacré l'augmentation des recettes de l'ordre de 50% dans 19 provinces et même de 100% dans celles placées sous état de siège. L'effort du gouvernement est donc là. Hier, la digitalisation peu en voulait, on préférait tricher. Aujourd'hui, on digitalise tout, ce qui rend cette gestion un peu plus performante, en tout cas un peu plus transparente et qui empêche la fraude. Oui, mais moi je suis d'accord avec tout ça, mais il faut quantifier, il faut donner les quotients pour voir dans l'ensemble de ces variables quelle est la part liée au cours, quelle est la part liée à la digitalisation, quelle est la part liée à l'effort des services. Mais je pars du postulat, par exemple, pour ce qui est des échéances.
La hausse pour le mois d'avril, qui est un mois d'échéance fiscale, a déjà été anticipée, prévue dans la prévision. Ils attendaient. Parce qu'on a prévu, par exemple, 800 millions. Alors que le mois de mars était un peu en deçà. Donc, on a déjà prévu les côtés échéances. Mm-hmm. Mais si on est allé au-delà, ce n'est plus pour l'échéance, parce qu'on est allé au-delà de ce mois d'avril qui est un mois d'échéance. C'est que quelque part, on a déjà intégré l'échéance, mais c'est la hausse proprement dite qui a conduit à l'augmentation. De toute façon, c'est pourquoi je demande un cadrage macroéconomique, d'abord annuel pour le reste du mois, mais aussi pour l'année 2022-2023, parce que le gouvernement est obligé de donner un cadrage macroéconomique pour que nous voyons quel est le PIB, dans quelle mesure la croissance a eu lieu, quel est le taux de croissance d'ici la fin de l'année, pour qu'on regarde s'il y a eu un effort en termes de perception, en termes de taux de pression fiscale. Il est possible que la pression fiscale soit restée la même et que l'incidence soit le fait de l'augmentation de la richesse globale à travers nos exportations extérieures. Donc c'est en ayant tous ces cadrages macroéconomiques que nous allons mesurer cela. Oui, vous voyez qu'aujourd'hui, notre problème, puisque les recettes d'exportation ont augmenté et vont augmenter d'ici la fin de l'année. Et que les coûts sont très élevés. Les coûts sont très élevés pour les produits dont nous sommes exportateurs. Les cuivres, disons globalement, les cuivres, les comates et les restes de minerais. Mais quelle est l'incidence sur la balance pénale ? Aujourd'hui, nous ne savons pas, parce que nous n'avons des données que sur l'augmentation des exportations. Mais il est possible que nos importations augmentent aussi. Non pas en quantité, mais en termes de valeur du fait de l'augmentation de la facture des importations. D'une part, nos recettes pour les ce que nous exportons ont augmenté, mais d'autre part, nos dépenses risquent d'augmenter, par exemple, pour les produits pétroliers dont nous sommes importateurs nets. C'est-à-dire que nous exportons, nous aussi, les pétroles, mais nous importons plus que nous exportons. De sorte que, globalement, la facture risque d'être plus importante et qu'elle peut consommer l'ensemble des recettes d'exportation. Et arriver à une balance commercial ou des paiements qui soient négatifs au point que la monnaie va s'étioler. Le franc congolais. Là, vous êtes au cadrage macroéconomique, là, vous êtes au collectif budgétaire, vous avancez plus vite que moi. Nous sommes encore à ces performances que vous n'attribuez pas, vous, au gouvernement et que le gouvernement dit que c'est. Que je n'attribue pas encore au gouvernement, parce que j'attends le gouvernement me dise quels sont ses efforts en termes d'impulsion politique. Ça peut être l'impulsion politique, ça peut être aussi l'administration elle-même, mais j'indique en passant que le système fiscal douanier étant déclaratif, tout ce que nous avons comme performance relève de la volonté des seuls contribuables. En tant que redevables, ils ont décidé de payer. Je donne les chiffres, par exemple, de 410 millions de dollars qui venaient de tomber, je crois, le 29 avril. C'est de l'argent qui devait être impité au mois d'avril, mais vraiment impité en mai parce que l'administration fiscale, et ici il s'agit de la DGI, n'a reçu les crédits, l'avis des crédits que très récemment. Donc ils vont impiter ça en mai. Mais si nous impitons ça en avis en corrigeant, eh bien nous serons à 2 milliards de plus. En relevant cette performance, ma préoccupation n'est pas de vanter le gouvernement. Et moi, ça ne me dérangerait pas de vanter le gouvernement. Parce que moi, le combat que je mène ne se réduit pas au simple fait de dire non. Moi, le combat que je mène, c'est de faire des observations. Même si vous faites plus, j'ai dit, je monte la barre haut, je pense que vous devez faire plus. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas parce que le pouvoir est réussi qu'il réussit dans l'ensemble. Oui, vous voyez, c'est comme. Mais ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Mais est-ce que moi, je mesure l'action du gouvernement, je me détermine par rapport à ces succès, si c'en est un. Moi, je me détermine par rapport à un tableau général de la gestion du pays. Par exemple, le gouvernement peut faire beaucoup d'argent. Plus il fait de l'argent, plus il est dans une situation difficile, c'est ce que le peuple va juger maintenant en termes des fruits, des répartitions de ces fruits, des croissances. Et donc, moi, j'avais peur que cet argent, que nous ne voyons pas les côtés de sa réalisation, mais qu'on regarde aussi dans quelle proportion cet argent est réparti à la population et en faveur des secteurs économiques et la pertinence ou la qualité de l'arbitrage entre secteurs de la part du gouvernement. On a bien compris que vous êtes dans un souci de transparence de la gestion, mais des questions s'imposent.
même si vous ne voulez pas qu'on parle de, à qui est la responsabilité ou le, de, à qui revient le mérite de, préférant parler de, du système déclaratif, la mienne, c'est, vous êtes un inspecteur général des finances, ancien ministre du budget, ancien premier ministre, comment cela se fait-il qu'on ait toujours eu un budget aussi faible? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de telles performances avant? Oui, très bien. Mais les performances en termes fiscaux, en termes des recettes de l'État, c'est mesures où se détermine par rapport d'abord à l'assiette fiscale et à la capacité de l'administration sous l'impulsion du pouvoir politique de collecter le maximum d'impôts. Moi, j'étais dans un gouvernement, j'ai conduit un gouvernement à une époque où l'assiette fiscale globalement, c'est-à-dire la production nationale sur, la, sur laquelle vous prélevez l'impôt, qui était autour de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 60 milliards de dollars. Si moi je prélevais 10%, je prélève 2 milliards. 10% comme pression fiscale. Mais l'actuel pouvoir, s'il prélève les, en ayant le même effort au niveau de l'administration fiscale, prélève 10%, il va prélever 6 milliards. S'il prélève 20%, c'est dit, il est capable de prélever 12 milliards. Donc aujourd'hui, donc, le gouvernement fait moins bien qu'hier. Pardon ? Donc aujourd'hui, le gouvernement fait moins bien qu'hier. Non, le pays fait mieux qu'hier. Mm-hmm. Le pays a connu une augmentation de sa richesse dans la durée sur 10 ans. Mais en termes, en termes d'assiette fiscale, en termes de. Maintenant, la question de savoir quelle est la capacité des prélèvements sur ces PIB qui est une donnée historique. Mm-hmm. Moi, j'ai eu 20 milliards. J'ai prélevé, à un moment donné, j'ai prélevé même 15% parce que j'ai atteint, en quittant le gouvernement, 3,5 milliards. Alors que j'avais trouvé 300 millions. Je dis qu'en passant que pendant toute la première et la deuxième République, je n'ai jamais parlé de deux républiques parce que pour moi, on n'est jamais rentré en République. Ils sont toujours des dictatures ou d'oligarchie. Et donc, j'ai arrivé à un moment où le budget était 800 millions de dollars. L'épargne était en dessous des 100 millions de dollars. J'ai relevé l'épargne à 3 milliards de dollars. J'ai relevé le budget des 850 millions à 3 milliards de dollars. Maintenant, la qualité de la pensée était telle que j'ai redistribué en augmentant les salaires des médecins, les salaires des enseignants, les salaires de l'ensemble des fonctionnaires, et ainsi de suite. Mais maintenant, ils prélèvent un peu plus, non pas parce qu'ils font un effort particulier en termes de pression fiscale. Ils sont entre 10 et 15, nous aussi. Sauf qu'ils prélèvent sur une richesse qui a augmenté dans l'entretemps. Donc, mais je constate que le pays a évolué principalement pour cette période. Et ça commence avec les mois d'avril, ça a commencé avec mars, ça commence avec les mois d'avril. Moi, je voudrais savoir de la part du gouvernement, d'une part, quel est l'effort qui les concerne. Parce que je pars de l'hypothèse, ou même du postulat, que... C'est la flambe, puis la hausse des produits des bases, des matières premières. Mais j'indique en passant que nous devons avoir peur de ce que probablement ces recettes vont servir, et en termes de recettes extérieures, à financer plus d'importations, de sorte que nous aurons moins de risques par rapport au fait que sur le marché international, il y a d'une part les produits dont nous sommes exportateurs et dont les prix ont augmenté, d'autre part les produits dont nous ne sommes pas exportateurs et qui vont nous coûter. Plus cher, peut-être deux fois pire. Il s'agit des produits alimentaires, et il s'agit aussi de l'énergie. Alors, la question que je pose, quel est l'effort du gouvernement ou de l'administration à partir du moment où ces recettes ne représentent que la volonté du contribuable? Le gouvernement vous répond, contexte d'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le gouvernement vous répond, qu'il a toujours répété que c'est une combinaison de la conjoncture favorable et de l'application des réformes et de la lutte contre la corruption. Oui, mais je suis en train de vous dire que tout ce que le gouvernement dit en termes d'efforts d'amélioration doit se mesurer en termes de sa capacité à collecter une base d'imposition qui est en train d'augmenter du fait de la conjoncture internationale. Mmh. Donc, le que vous attendez du gouvernement, qu'il vous dise, un, j'ai élargi l'assiette fiscale, mais surtout que j'ai augmenté ma capacité à pouvoir récolter les taxes qui me sont dues. Je n'ai pas l'impression qu'il a élargi l'assiette fiscale, en fait, globalement, en fait, le fait de l'augmentation du PIB ou de la croissance avec la dynamique du secteur minière. Et donc, j'ai dit que probablement, les recettes ont augmenté du fait que le PIB a augmenté, et le PIB a augmenté du
fait que les secteurs miniers a exporté plus, a produit beaucoup plus, mais aussi a vendu à un prix dont nous sommes pas, sur lesquels nous n'avons pas de prise. Ce n'est pas nous qui disons nous vendons notre cuivre à 10 000. C'est le marché international qui dit vous partez des 7 000 la tonne de cuivre à 10 000 dollars. Vous partez des 30 000 dollars la tonne du cobalt à 80 000. Tu vois l'augmentation. Mmh. Et donc les prix ont augmenté, la production aussi, parce que pour ce qui est du cuivre, nous pourrions passer à plus ou moins 2 millions de tonnes que nous allons vendre d'ici la fin de l'année. Alors que moi, j'ai vendu jusqu'à 300 000, 500 000. Du fait notamment... Et c'est déjà aussi un élément de réponse à la question selon laquelle tu t'es demandé pourquoi à mon époque je n'ai pas fait autant. Moi, je ne produisais que 300 000 tonnes et j'ai terminé avec 500 000 tonnes. Aujourd'hui, on a quadruplé. On va aller vers 20 000, plutôt 2 millions de tonnes. Moi, c'était 500 000. Et donc, j'avais une assiette plus étroite liée au fait que j'ai hérité des secteurs miniers qui n'étaient pas encore en expansion ou dans lesquels, d'ailleurs, il n'y avait pas assez d'investissements. Ce sont ces investissements consécutifs pour la révision des contrats que nous avons qui, aujourd'hui, ont atteint la vitesse de croisière et qui permet qu'aujourd'hui, on produit deux fois plus. Ce n'est pas lié à ces pouvoirs. Donc, les chiffres d'aujourd'hui sont liés aux efforts c'est ma du conviction. Pouvoir précédent. Mais ma conviction, on peut mesurer l'effort du gouvernement. Je crois que c'est marginal. Mais à eux de nous donner les éléments d'analyse en faisant un cadrage budgétaire pour l'année 2022 et en réajustant le budget à travers un collectif budgétaire, ce que du point de vue de la loi relative aux finances on appelle budget rectificatif. Et là ils vont nous dire quel est l'horizon par exemple pour les budgets dans l'ensemble des nouveaux budgets, parce que moi je présume qu'on pourra passer jusqu'à 4 000 dollars, parce que déjà on est à 2 milliards, on pourra passer à 4 milliards. Les 2 milliards viendront d'ici la fin de l'année, même un peu plus. Alors si nous avons 4 milliards de recettes additionnelles, plus ce qui a été prévu, les 4 milliards correspondant à l'augmentation, plus les 7 milliards qui étaient prévus au budget 2022, c'est qu'il y a une augmentation de 4 milliards, nous passerons donc à 11 milliards. Nous devons, les pays doivent se féliciter. Je m'en fous de ceux qui sont là. C'est très bien puisque ça arrive à leur niveau. Mais moi, en tant qu'opposant, je dois avoir la volonté de me réjouir de ce que le pays avance. Le pays a un secteur minier qui l'aide à avancer. Mais maintenant, il faut trouver ces bonus. Là, il faut l'affecter de manière à ce qu'on diversifie l'économie, qu'on puisse arbitrer. Qu'est-ce qu'on donne au salaire? Parce que moi, je tiens aussi au salaire. Je pense que si je vous donne les coefficients suivants, sur 2,8 milliards qui représentent la masse salariale, la moitié de ces montants, soit 1,4 milliard, permet de payer plus ou moins les gens d'en haut, qui ne sont que 20% des agents de l'État, et se répartissent la moitié, c'est-à-dire 1 milliard. L'autre 1,4 milliard représente les gens d'en bas, qui sont 80%. Déjà, c'est une mauvaise répartition. Mais si on ajoute 1,5 milliard pour le budget collectif, on pourrait rééquilibrer. À la masse salariale, on peut augmenter, doubler les salaires des gens d'en bas. Doubler les gens d'en bas sans augmenter ceux d'en haut. Puis qui sont que 20%, mais qui prennent la moitié à eux seuls. Je voudrais que l'augmentation des 1,4 milliard, qui va s'ajouter aux 2 milliards qui restent, les 2 milliards qui vont s'ajouter aux 2 milliards 8, qui représentent l'enveloppe actuelle pour 2022, nous permettra de passer par exemple à 4 milliards 200. Et cette enveloppe salariale, dans le cadre d'un budget qui va lui arriver à plus ou moins 11 milliards, et qu'on double les salaires des gens, des fonctionnaires, qu'on respecte les engagements que le gouvernement venait de prendre avec les profs d'université, qu'on améliore les salaires des magistrats parce que nous voulons une magistrature qui soit plus ou moins autonome avec un minimum de moyens de fonctionnement, et qu'on améliore aussi les salaires des médecins, mais de l'ensemble des fonctionnaires, y compris par exemple pour les enseignants qui aujourd'hui sont payés différemment sur trois zones, souvent qui sont des Kinshasa ou qui sont des chefs liés d'autres provinces que Kinshasa ou qui sont de l'administration du territoire, dans les chefs-liés, des secteurs. Il y a déjà une injustice. Les enseignants de ville et de la Rousse. Donc il y a moyen d'améliorer les salaires. Moi je tiens beaucoup aux salaires. Là on est déjà au collectif budgétaire. On va y arriver. Aujourd'hui, vous pensez, ou selon vous, il faut que les choses soient claires, il faut que l'on vous dise déjà maintenant
alors qu'il n'y a qu'un seul mois de constat d'hausse phénoménale des recettes, vous pensez déjà qu'on doit penser à un collectif budgétaire. On ne doit pas prendre un peu plus de temps, attendre 3-4 mois, savoir si la tendance se poursuit. Dans l'entretemps, ils vont gérer sur base de quoi ? Parce que ils vont gérer sur base de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, le Congo se gère sur base caisse. Oui. On fait un budget, on a un taux d'application du budget de 50%. Aujourd'hui, ils ont peut-être la chance de pouvoir l'appliquer à 100%. Mais aujourd'hui, il pourrait déjà peut-être, on parle de 300 millions, notamment pour ce problème des 145 territoires. Les 145 territoires, on l'a dit, c'est 10 millions par territoire, donc 1,4 million. 700 000 déjà prévus pour cette année, 700 000 sur l'année suivante. 300 millions ont déjà été décaissés. On pense, selon le ministère des Finances, je crois, on parle de 200 millions supplémentaires déjà mis maintenant. Ce n'est pas engager une dépense qui n'est pas prévue, c'est payer à temps pour pouvoir avoir un résultat plus tôt. Pourquoi déjà demander un collectif budgétaire alors que le gouvernement, pour la première fois, sans attendre que l'argent vienne, peut engager des dépenses qui sont dans le budget actuel ? Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas que le pays se prive de l'utilisation de l'argent qui existe et qui aurait pu féconder l'économie. Oui, mais le problème, qu'il y a aussi des gens qui, aujourd'hui, n'ont jamais été payés. C'est une ressource en moins qui aurait pu activer l'économie. Si vous payez les députés provinciaux, vous payez encore que, ici, je dois les députés provinciaux et les ministres provinciaux, eh bien, c'est de l'argent, une liquidité dans l'économie au profit de l'arrière-pays. Si vous payez bien les enseignants qui ont travaillé mais qui sont sous-rémunérés, il ne faut pas traîner pour leur donner leur argent et qu'en consommant, qu'ils puissent booster l'économie. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Encore que le gouvernement ne peut pas se permettre de continuer à garder par derrière soi de l'argent qui ne lui est parti pas à totalité. Je voudrais te dire en passant que sur les 4 milliards additionnels, prévisionnellement parlant, mes prévisions... Ce sont vos chiffres, hein. Pardon ? Ce sont vos propos. Ce sont vos chiffres. Restons dans l'ordre des grandeurs. Le débat n'est pas un débat de chiffres ici, c'est un débat de principes, d'options. À supposer que les budgets additionnels soient de 4 milliards, s'ajoutant au budget initial de 2022 dans les actuels budgets, nous sommes à 11 milliards. Les 4 milliards n'appartiennent pas entièrement au gouvernement. Le gouvernement n'a droit qu'à la moitié. L'autre moitié, c'est pour les provinces, 50%. Quand je dis 50% pour les provinces, je dis qu'il y a 40% de rétrocession et puis il y a 10% de fonds de péréquation. Les fonds de péréquation, par définition, est destiné aux provinces, mais sa répartition est discriminatoire à ceux que les provinces qui sont en déficit de développement, mais surtout plutôt de fonctionnement, il faut leur donner un peu plus d'argent que ceux qui ont un peu plus. J'indique en passant que l'enveloppe de la répartition, de la rétrocession, est destinée finalement pour la moitié au profit des 6 provinces et pour l'autre moitié au profit des 20 provinces. C'est déjà une discrimination. Et ces 6 provinces qui reçoivent beaucoup sont celles qui sont supposées être plus riches. Et parce qu'elles sont riches, qu'on leur donne un peu plus d'argent, parce qu'elles contribuent plus ou moins, beaucoup plus que nous autres, à l'enveloppe globale de l'État. Ce qui déjà fait que les pauvres ont moins d'argent qu'il faut les subventionner par les fonds de péréquation. Je comprends, vous êtes dans le principe d'équité entre les provinces, mais ces provinces sont celles aussi qui produisent le plus et qui trouvent injuste le fait, on s'en rend compte bien, et vous avez été Premier ministre, vous l'avez bien vu avec les conflits permanents que vous aviez notamment avec le gouverneur du Katanga, ces provinces disent, c'est nous qui produisons, c'est quand même nous qui devons plus profiter. On ne refuse pas le principe d'équité, mais c'est quand même nous qui devons plus profiter de ce que nous produisons. L'équité, d'ailleurs, veut qu'on donne un peu plus à celui qui a produit plus. Je ne discute pas de ce principe. Je veux seulement qu'il faut les corriger par les fonds de péréquation. C'est la raison d'être des fonds de péréquation. Pour donner aux régions les plus pauvres un peu plus d'argent qu'on a pris dans l'escarcelle de l'État, à leur profit et aux dépens de ceux qui sont riches. Ça permet d'équilibrer, non pas les développements, parce que c'est pas avec cette assiette cette enveloppe qu'on peut corriger les déséquilibres des développements entre les provinces. Encore que pour moi, toutes elles sont pauvres. Mais c'est avec les fonds de péréquation qu'on permet de corriger les déficits de fonctionnement. Parce que les provinces pauvres sont véritablement pauvres pour le fonctionnement. Les fonds de péréquation qui aujourd'hui n'est pas financé, qui auraient rempli cette mission, malheureusement ne fonctionnent pas. Donc je voudrais que le gouvernement s'empresse d'obtenir l'homologation du Parlement de manière à ce que
Et on donne aux provinces ce qui les revient, que le pouvoir n'a pas, le pouvoir central n'a pas les compétences de gestion. Donc directement, plutôt que d'attendre de savoir si ces chiffres vont se consolider, directement aller à un collectif budgétaire qui pourrait être démenti plus tard. Hein. Si ça s'effondre au mois de juillet, on aura promis l'argent, on aura changé. Quand je parle des collectifs budgétaires, c'est pour l'ensemble de l'année. Y compris pour nous dire que ça ne s'arrête qu'en avril. Oui, Ça ne s'arrête pas qu'en avril, l'augmentation. Parce que les cours ne vont pas baisser dans l'entraînement. Mm-hmm. Les cours seront toujours hauts et même peuvent aller au-delà. De sorte que l'assiette va augmenter et donc les prélèvements, si on les maintient à ce niveau-là, fera que les budgets, les recettes vont augmenter. C'est au gouvernement de nous dire. Moi, j'ai la présomption que ça va augmenter. C'est vrai que présomption. Oui, mais dans l'hypothèse. Est-ce que présomption, le gouvernement peut figer un autre document, faire adopter une autre loi et se retrouver peut-être pris au piège au mois de septembre. Mais justement, le fait de ne pas avoir les collectifs budgétaires correctifs l'expose à cette indétermination. Il n'a pas de vue. Mais s'il fait un collectif budgétaire, il va se limiter. Prenons que par hypothèse, il considère que l'augmentation s'arrête à 6 mois, mais 2 milliards additionnels devaient déjà avoir l'autorisation du budget à travers un budget qui n'est pas celui-ci, qui sera un autre parce qu'il sera correctif. Donc prenons cette hypothèse diabolique qui t'intéresse là. Non, qui ne m'intéresse pas, parce que je dis sur un mois, vous dites qu'en mars, ils n'ont pas fait les 100%. Ils ont fait plus de 100%. Là, vous venez de dire tout à l'heure qu'en mars, ils n'avaient pas été aussi performants. Non, ils n'étaient pas performants par rapport à l'avril. Mais c'est plus de 100%. D'ailleurs, le chiffre, je l'ai ici. Même au mois de mars, c'était plus de 100%. Au mois de février aussi. Je t'indique en passant qu'il y a 400 millions qui devaient être versés. Non, j'ai compris. Mais est-ce qu'à 100%, les objectifs ont été atteints en janvier? 100% des objectifs ont été atteints en février? Février, c'était 92%. D'accord. Mais donc, par rapport aux prévisions à décembre 2022, le gouvernement a déjà pris du retard en janvier et en février. Donc, est-ce qu'il peut... Mais cumulativement, pour l'ensemble de 4 mois... en avril. Non, s'il vous plaît. Oui. Cumulativement, pour l'ensemble des 4 précédents mois, l'augmentation est de 42%. Donc, on est allé au-delà de 100%. Donc, c'est ce qui donne, en fait, le 188%. Qui est le niveau d'exécution pour avril. Et j'ai dit que c'est plus ou moins plus de 100%, parce qu'il y a une rentrée qui est en principe imputable au mois d'avril, mais qui va l'être au mois d'avril. Donc il faudrait déjà y aller maintenant au collectif budgétaire et ne pas attendre, par exemple, la session de septembre. Vous ne pouvez pas attendre. Pourquoi vous ne pouvez, il ne peut pas attendre? Parce que le gouvernement engage déjà de l'argent. Je ne suis pas dans une présomption. Oui. Je suis dans la réalité. Parce que si tu lis les communiqués du gouvernement, ils ont déjà décidé, sans compétence, alors que c'est des exécutants. Les propriétés de l'argent, c'est le peuple, et le peuple est représenté par l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas préaffecter, ne fût-ce que sur papier, l'utilisation du milliard additionnel, qui pour moi est en train d'augmenter. Donc les dépassements qui vont être, si vous voulez, des 100%, c'est plus ou moins milliard et demi. Tu comprends? Ils ne peuvent pas dire nous allons faire des routes, même si c'est bon. Je ne remets pas en question la qualité et l'opportunité des dépenses additionnelles. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire si ces affectations, ces recettes additionnelles sont pertinentes, il faut qu'ils défendent ça auprès du Parlement pour que le Parlement donne la caution afin qu'ils exécutent. Mon débat n'est pas un débat de fond. Mon débat est un débat de la forme. La trésorerie de l'État présente ainsi un solde excédentaire de 1986 milliards de francs congolais. Qui sera entre autres alloué aux travaux d'infrastructure, à la CENI et au programme de développement local des 145 territoires. Voilà, moi j'ai fait l'explication, mais l'explication, par exemple pour les 145 territoires, 700 millions engagés sur cette année. Ils ont déjà donné 300 millions, ils comptaient peut-être donner les 200 ou 200 ils le donnent plus tôt. C'est déjà intéressant ce que vous dites. Puisque les 145 territoires, les financements, encore que pour moi c'est un saupoudrage, c'est pas mon propos. Ça a déjà été affecté au budget actuel avant rectification et avant performance. Vous ne pouvez plus utiliser l'argent de la performance, entre guillemets, pour financer des dépenses qui ont déjà été programmées. Parce qu'ils disent, attendez, ils ont dit l'excédent, nous l'avons les données à
à la CENI et aux 145 territoires. C'est déjà stupide sur les plans et du fond et de la forme. Oui, l'excédent. Alors maintenant, il parle de l'excédent à la date D, au mois d'avril. Oui. L'excédent de maintenant, plutôt que d'attendre au mois de juillet. Mais août, ils n'ont pas. Attendez, moi, je ne dis pas qu'il faut le faire. D'abord, je dis qu'il faut l'autorisation du budget. C'est ça un peu la lutte pour un état des droits. Les droits, ce n'est pas les fonds, c'est la forme. Oui, mais attendez, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas, je peux. Je sais que j'ai affaire à l'inspecteur général des finances. Nous avons le droit d'engager 700 millions dans le budget 2022. Nous avons déjà engagé 300. Nous avons, à la date du 1er mai, 200 millions de disponibles que nous pouvons, puisqu'il est permis dans le budget 2022, que nous pouvons déjà engager. Mmh. En quoi ça pose problème? Ça pose problème parce que vous allez utiliser de l'argent qui relève, qui n'était pas dans le budget précédent. Vous voulez les préaffecter à des projets, quelle qu'en soit la pertinence. Allez. Et je considère que l'enveloppe qu'ils ont prévue pour les provinces, là, était dans le budget. Oui. 2022. Il y était, oui. Bien, il y est. Maintenant, ils veulent ajouter une autre enveloppe. Ils doivent en avoir l'autorisation. Je pense qu'on ne comprend pas cette déclaration de la même manière. Donc, oui, j'ai bien compris. Il parle du solde excédentaire au mois d'avril. Il parle d'une dépense prévue dans le budget. Qui aurait pu être effectué s'il n'avait pas eu l'argent plus tard. Non. Mais qu'il laisse. Non, mais c'est ce qui attends, est. Attends, attends. S'il te plaît, on ne peut pas. Quand une dépense, on la prévoit comme qualité de dépense au profit des provinces, plutôt des territoires, mais aussi comme quantité. Donc vous, c'est la priorité donnée qui ne vous convient pas et qui suscite. Non, ce n'est pas une question des priorités. Parce que d'abord, je parle la dépense pour les provinces, plutôt pour les territoires, a déjà été prévue en nature comme dépense, en faveur des X, Y activités, mais aussi comme enveloppe monétaire. C'est prévu. Mais maintenant, pour ajouter un montant additionnel pour les provinces, vous devez avoir l'autorisation. C'est ça que je veux dire. Ils sont en train déjà de programmer d'ajouter sans avoir l'autorisation de l'autorité compétente. Ils sont un instrument au service du peuple à travers le Parlement. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne discute pas de la pertinence, c'est un autre débat. Non, on n'est pas sur la pertinence. Le Parlement qui leur a donné l'autorisation sur 2022 de dépenser 700 millions. Voilà. Et pour qu'on. C'est-à-dire que ces 700 millions-là sont prévus et existent dans les budgets. Ils existent dans le budget, mais ils sont 2022. Mais avec votre gestion sur basse caisse, ils n'existent pas dans les caisses. Oui, mais c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, cet argent existera. Cet argent existera quand on sait que le taux d'exécution du budget, même chez vous, il est. Oui, même, attendez, même sous votre gouvernement, il est 50%. Nous sommes dans un domaine qualitatif et quantitatif. On a prévu 700 millions. Oui. Et cet argent existait comme crédit, n'est-ce pas? Oui. Et existera même si. Il y aurait un équilibre théoriquement à la fin de l'année, même s'il n'y avait pas des ressources additionnelles. Mais Ce n'est pas avec les ressources additionnelles que vous financez. Non, je suis d'accord. Mais ce que l'on a constaté dans le passé, c'est que si on prévoit 500 millions, par exemple, pour une dépense, à la fin de l'année, on se rend compte qu'on n'a eu que 300 millions. Les 200 millions sont soit reportés à l'année suivante, soit passent par perte et profit. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus judicieux, puisqu'ils ont à ce stade déjà de mais l'argent, à partir de quel moment ils peuvent dire qu'ils n'ont pas eu cet argent? La différence, là, ils ne l'ont pas eu. La différence existe dans le pipeline. Les 700 millions sont censés exister jusqu'à la fin de l'année. Censés, vous avez bien dit. Oui, ne pas exister. Mais comment ils savent que ça ne va pas exister? Parce que de l'expérience des années précédentes. Ce n'est pas sur la base de l'expérience, ça signifie que tu dis qu'ils présupposent qu'ils ne vont pas réaliser les 700. Mais comment ils vont réaliser les 400? Non, ils peuvent supposer que comme on a déjà l'argent et qu'on espère. Alors, ça signifie qu'ils ne vont pas réaliser les 7 milliards, mais comment ils vont réaliser les 11 milliards? C'est pourquoi Oui, je vous comprends bien. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont l'argent pour les 700 milliards, parce qu'ils ont l'argent dans l'enveloppe globale des 7 milliards. Bien. Et il va s'ajouter 4 milliards.
ils doivent affecter ces 4 milliards suivant l'autorisation. Déjà, dès maintenant. Alors, comment cela doit se passer? C'est le gouvernement qui doit venir ou l'Assemblée nationale doit s'en saisir? Non, c'est eux. Ils sont, en fait, le gouvernement, c'est un comité des chambres. C'est une des chambres du Parlement. Ils sont avec les députés comme instrument des propositions et les députés comme instrument d'autorisation. Et le gouvernement se retrouve comme instrument d'exécution de ce que les députés auront homologué sur les propositions. En fait, c'est chaque jour qu'ils sont censés être déparés. Censés. Oui, non, mais le principe, je vais dire. On est toujours dans le principe. Je vais tout simplement dire, sur le plan des principes, sur le plan de la réalité, d'abord à la limite, je laisse-moi te dire que pour élever la réflexion, c'est-à-dire que les performances que le pays connaît, le gouvernement est censé en parler et aux députés, qui sont les militants de la majorité, et aux militants et aux directions politiques du parti majoritaire. Il a dit, voilà, nous venons de réaliser ça. Qu'est-ce que vous dites, vous, nos camarades qui dirigez, c'est le rôle du parti. Qu'est-ce que vous proposez quant à l'utilisation. Non, ils vont pas. Quelle est votre priorité? Et nous vous proposons ça, discuter de ça. Et ensuite, en parlant comme des camarades, les uns sont au gouvernement, les autres sont au Parlement, ce sont les directions politiques. Parce que ce sont les directions politiques, le rôle de dirigeant de parti politique, qui doivent faire cet arbitrage et leur dire, allez, faites ça, faites ça. Et ils peuvent discuter en disant, nous, techniquement, nous pensons que c'est pas faisable. Parce que c'est finalement les partis politiques qui rendront compte auprès du peuple. C'est eux les structures pérennes. C'est eux qui ont investi et les ministres, et les députés. Et donc, le peuple ne connaît pas les ministres à titre individuel comme instrument qui arrive et qui passe. Le peuple connaît les structures pérennes. Ce sont les gens des partis, une épaisse, ensemble, et qui, quoi, j'espère que cette majorité a une existence réelle et homogène. Vous parlez politique. Vous parlez politique. C'est de la politique. Attendez, j'ai choisi une matière donnée. Eh bien, c'est eux qui vont dire, voilà, puisque le peuple nous demandera de compte, augmenter le salaire. Ou bien alors terminer la route nationale numéro 1 pour qu'intégrer la nation. Nous sommes en train de nous pencher vers le Rwanda et les pays de l'Est sans avoir intégré la nation et obtenu que le Congo soit un, qu'il y ait des échanges entre nous et que nous soyons grands, nous ayons un marché intérieur sur base duquel nous pourrions échanger avec les autres en ayant la souveraineté d'un pays fort économiquement et socialement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un arbitrage. L'autre arbitrage, on se dit, bon, finançons l'armée. L'autre arbitrage, c'est tout ça, il faut dégager une synthèse. Ça peut pas se discuter au niveau des exécutants que sont les ministres, qui, dans leur petit bureau, vont décider. Une ministre des Finances et des Budgets, voilà. Encore qu'ils l'ont dit sans que le gouvernement se soit prononcé sur l'affectation. Enfin, ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. Donc, je vais donc simplement dire, ils ne peuvent pas se contenter de la performance. Le plus important, c'est pas de faire l'argent, d'augmenter l'argent. Le plus important, c'est la manière dont on l'utilise. Pour créer des nouvelles utilisées, c'est pour réaliser les promesses des campagnes. Ma question était, qui doit être à l'initiative? Le gouvernement, l'Assemblée? Vous avez dit, c'est le gouvernement. Par définition, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais l'Assemblée a une obligation de contrôle. Or, l'Assemblée, elle, c'est elle qui dicte la loi. C'est elle qui est promue, c'est elle qui a rédigé cette loi, même si c'était un projet, une proposition. Oui, mais justement, aujourd'hui, quel devrait être le rôle de l'Assemblée? L'Assemblée. Oui, quel devrait être le rôle de l'Assemblée? L'argent qu'elle n'a pas, comme vous dites, sur lesquels l'Assemblée est utilisée à autre chose que ce que le gouvernement aurait dû faire. Non. Le budget 2022, théoriquement, est entré en les recettes prévues sont en train de financer les dépenses prévues. Pour le moment. Mais pour le moment, jusqu'à la fin de l'année. Mais il se trouve qu'il y a de l'argent qui s'ajoute, pour lequel elle n'a jamais donné l'autorisation quant à l'affectation. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait, de la part du gouvernement, recevoir des nouvelles propositions. En disant, moi, à défaut de nouvelles propositions, c'est une sanction, parce qu'ils seraient en train d'utiliser de l'argent, même si sur le plan de l'efficience, même sur le plan de la qualité de la pensée, bon, mais du point de vue du contenant juridique, ils seront dans l'illégalité. Donc aujourd'hui, même si les recettes additionnelles, pour le moment, jusque maintenant, c'était un peu ma réflexion de tout à l'heure, sont en train de couvrir des dépenses prévues, vous dites qu'il faut un collectif. Attends. Pas couvrir des dépenses prévues, attendez. Je dis que les dépenses prévues, c'est pas parce que vous avez prévu une dépense. Oui. Parce que vous avez prévu une dépense comme qualité, salaire, n'est-ce pas? Et avec un montant de 2,8 milliards. Mais dans l'entretemps, vous avez fait des promesses
pour lesquels vous n'avez plus de moyens. Augmentation de salaire. Augmentation de salaire ou augmentation de l'enveloppe salaire au profit de ceux qui aujourd'hui travaillent et ne sont pas mécanisés ou les sommes ne sont pas payées. Parce que le choix, c'est de dire, est-ce que les ressources additionnelles destinées au salaire, c'est pour payer ceux qui ne les sont pas ou c'est pour payer ceux qui les sont mais qui sont sous-payés. C'est un arbitrage qui est politique, qui est économique, mais qui doit avoir une sanction juridique de la part de législateur qui est l'autorité budgétaire. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale a aussi son rôle à jouer, a aussi son importance, a aussi sa responsabilité. Ah ben oui, mais elle ne peut pas se saisir d'un dossier de cette loi rectificative du budget. C'est au gouvernement qui a la responsabilité de dire, voilà, moi j'ai autant, je vous propose telle utilisation, d'où les budgets qui viennent comme proposition de la part du gouvernement, budget rectificatif auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour homologation. Mais évidemment, ils ne vont pas homologuer la qualité de dépenses et la quantité prévue par le gouvernement. Ils peuvent obtenir la réajustement. Elle ne peut pas se saisir, mais elle... Non, elle ne peut parce qu'elle ne peut pas préparer son propre budget. Elle ne peut que constater que ce qu'elle a notamment édicté au budget précédent, loi de finances, n'est pas respecté. Elle ne peut pas le constater. C'est comme vous dites, ce n'est pas le cas à un moment. Non, jusqu'à là, il y a eu un budget... des recettes et des dépenses autorisées par elle quantitativement. Mm-hmm. Mais maintenant, si le gouvernement fait rentrer mensuellement, au lieu des 600 millions de dollars en moyenne, mais fait entrer un milliard de cents, l'additionnel, elle a envie de l'ajouter au salaire, d'investir dans l'infrastructure, mais elle doit avoir l'autorisation pour ces montants additionnels et pour d'autres qualités de dépenses qui n'étaient pas prévues, mais qui peuvent l'être. Donc vous demandez un collectif budgétaire pour améliorer la qualité de la dépense. Non, la qualité de dépense, oui, mais pour légaliser les dépenses prévues par le gouvernement, à l'intention du gouvernement, pour du Parlement, pour sanction. Légaliser des dépenses, mais si le gouvernement ne veut pas avoir des dépenses supplémentaires. Il ne peut pas avoir des dépenses supplémentaires qui ne lui sont pas autorisées. Non, s'il n'a pas envie... S'il n'a pas envie, il tombe dans l'illégalité, il viole la Constitution. S'il n'a pas envie de faire des dépenses supplémentaires, il a juste envie de... Là, il va épargner. C'est une option. Mais moi, je ne suis pas pour une option d'épargne dans un pays qui a besoin d'être activé monétairement. Donc là, Par contre, la décision d'épargner doit venir du Parlement. Si le Parlement, du gouvernement lui dit, moi, je ne peux pas utiliser cet argent pour l'affecter, ce qui est une bêtise du point de vue économique, mais le Parlement dit, ok, tu peux épargner cet argent. Mais dans une économie qui est au sous-emploi, mon frère, une économie qui n'est pas fluide, qui n'a pas la liquidité monétaire, tu sais que nos provinces sont des cimetières. Il n'y a pas d'activité économique là-bas, sociale. Vous savez, tu vas en Iturie, le gouverneur n'a pas grand-chose pour assurer la sécurité, pour s'acheter un équipement, pour donner des primes aux policiers. C'était une situation irresponsable. Donc, sinon criminel, qu'est de ne pas utiliser cet argent et de l'épargner quelque part. Encore que quand tu épargnes pour avoir 2-3%, parce que, l'intérêt créditeur dans le chef de celui qui épargne est largement en dessous. Si dans l'entretemps, tu t'endettes pour payer 15 ou 20%. Donc, je crois que faire chômer l'argent au Congo, alors que c'est un pays qui a besoin de plusieurs milliards pour financer son développement, payer des bons salaires, et financer les routes, faire dormir l'argent, c'est irresponsable. C'est de la mauvaise gestion. Élargir l'assiette fiscale, diversifier l'économie, etc. Diversifier l'économie. Oui, mais l'argent qui vient des mines n'aura des pertinences et d'opportunités que si nous l'affectons à la diversification de l'économie, notamment en finançant les routes. Vous, quand vous étiez au gouvernement, Premier ministre, vous êtes arrivé à un moment de crise. Il faut le dire, 2008, ça a été une crise financière internationale. 2009. Mais pourquoi, de cette diversification, il n'a pas été beaucoup question quand vous étiez aux affaires? Bien, moi je trouve le pays à 800 millions. 800 millions comme budget de l'État. Mm-hmm. Un PIB autour de 20 milliards. Mm-hmm. Mon objectif, c'était d'abord de payer la dette. Mon objectif, c'était d'augmenter le budget pour que j'augmente les salaires des gens, pour que je finance tant soit peu les infrastructures. Mais mon objectif était aussi d'être en règle avec les FMI et la Banque mondiale pour qu'on annule une dette qui pesait trop, c'est-à-dire 14 milliards, pour ramener ça à 2 ou 3 milliards. Parce que j'ai fait annuler plus ou moins 10 milliards. À partir de ce moment-là, les FMI et la Banque mondiale étaient d'accord que, puisque j'ai proposé la mobilisation des recettes, y compris en négociant avec les Chinois, il a dit, vous pouvez vous endetter
pour financer les secteurs miniers, vous pouvez vous endetter aussi pour financer les infrastructures. Ce que j'ai fait, j'ai mobilisé 6 milliards de dollars. D'abord, au début, c'était 9 milliards. Et les 3 milliards... Vous parlez du crédit sino-congolais, oui. Oui. Et les 3 milliards ont financé l'exploitation minière en ce qui concerne Sicomine a commencé. Ils ont même commencé à dégager le cash flow qui aurait pu servir à rembourser la dette si les 3 milliards étaient mobilisés pour faire les routes. Je n'ai jamais su pourquoi le gouvernement n'a pas mobilisé ces 3 milliards. Nous reviendrons de manière plus détaillée. Il n'a pas mobilisé à quel moment ? Après vous ? Après moi, parce que le crédit, nous l'avons signé déjà en 2009. Nous devions commencer déjà à obtenir le décaissement de leur part. À partir du moment où ils ont décaissé pour financer les secteurs miniers. En quelle année vous attendiez, devait arriver cet argent ? 2011-2012. Il y a eu un petit préfinancement. Par la suite, rien n'est tombé, sauf les 800 millions sur les 3 milliards qui ont servi à financer des projets autres que ceux qui étaient sur l'annexe que nous avons discuté avec les entreprises minières. Mmh. Les 2 milliards et demi ou 2 milliards de 100 devaient servir à construire les routes, la route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais aussi à financer les secteurs ferroviaires en reconstruisant nos chemins de fer. Ça n'a pas été fait. Jusqu'ici, le pouvoir d'alors n'a jamais expliqué cette situation. Alors, donc, la diversification devait venir avec les ressources additionnelles. Parce que moi, j'ai laissé la production minière à 500 000 tonnes, mais le gouvernement qui a suivi est allé jusqu'à 1 500 000, etc. Donc, les recettes d'exportation sont venues. Les budgets devaient augmenter. Le budget n'a jamais augmenté parce que le gouvernement qui m'a suivi n'a augmenté le budget que de 30-40%, alors que moi, j'ai augmenté de 300%. Maintenant, l'actuel gouvernement est en train de faire ce que j'appelle performance parce que très probablement, il va doubler d'ici fin 2011, plutôt. Fin 2023. 2021. Ils vont doubler le budget de plus ou moins 4 milliards et demi à plus ou moins 11 milliards. Et peut-être si ils vont jusqu'à plus ou moins à 12 milliards, 13 milliards, le pays aura augmenté de 5 milliards son budget. Et nous pourrons atteindre ce que moi j'appelle le seuil de souveraineté pour l'État congolais. Le seuil de souveraineté, c'est comme toi. Si tu as un minimum vital et que tu es au-dessus, tu deviens un homme souverain. Mm-hmm. Parce que tu as la maîtrise de ton indépendance, de ta souveraineté, et que donc, par conséquent, tu peux te suffire plus ou moins. Ce gouvernement, il est d'autant plus pauvre que l'État congolais ne peut pas être souverain. Il ne peut pas financer la guerre, il ne peut pas financer la démocratie. Et comment est-ce que vous expliquez que, quels que soient les chiffres que vous dites que vous avez multiplié le budget par 4. C'est vrai qu'il y a eu, vous avez été au moment de la où on a libéré beaucoup de dettes de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que jamais j'ai obtenu l'annulation par les prêteurs de l'État congolais du fait des performances PPTE 2000 qui avait démarré en 2000, qui avait démarré en 2000, dont les efforts du gouvernement avaient démarré en 2001 et qui ont été couronnés en 2012. Voilà. Mais non, qui a été couronné en 2010, parce que c'est en 2010. Beaucoup disent qu'ils ont réalisé ce programme, mais moi, je me souviens avoir fait ça avec Matenda, avec Massangou. En 2010 Oui, en 2000. Okay. Non, s'il vous plaît. En 2009, on a atteint les critères de déclenchement. Les déclencheurs, c'est en 2010. En 2009. Oui. Fin 2009. Comment est-ce c'est à ce moment-là que Stroxcan est venu, qu'on a réglé les problèmes qu'on avait du côté du programme avec les Chinois. Comment est-ce que vous expliquez que depuis, le pays ne s'est pas endetté? Quand je parle de dette, je parle d'une dette utile pour la diversification de son économie. J'ai fait une tribune pour dire que les gens qui font l'apologie du non-endettement, ils nous amènent dans l'enfer. Il ne sert à rien de ne pas avoir de dette si on n'a rien du tout. Mais oui, on est potentiellement riche. Est-ce que vous savez que vous avez fait grandir en Europe, la plupart des pays développés sont les États-Unis, les pays européens ont un niveau d'endettement qui va au-delà du 100% de leur PIB. Nous, on a un PIB d'environ 60 milliards de dollars, mais on a une dette de 6 milliards en ressources, en dette extérieure. Alors que nous pouvons aller jusqu'à 50%, puisque la plupart de pays voisins, y compris Congo-Brazzaville, ont une dette qui est égale à leur PIB. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que d'abord, on fait un mauvais calcul économique. Deuxièmement, parce qu'attention, les dirigeants qui ont succédé, je ne suis pas là pour citer les noms. Non, mais vous en êtes aussi. Il y en a qui font là. Vous en êtes aussi. Vous dites que vous sortez de l'endettement énorme en 2010. Mais vous êtes au Premier ministre jusqu'en 2012. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, à ce moment-là, engagé le pays dans un endettement productif ?
Bien, je suis en train de dire que, à peine j'étais en train, on plaisantait avec les FMI, les gens des FMI, on était en train de se désintoxiquer pour devenir vierge, si tu permets, et pour se réendetter de manière convenable. Et nous l'avons fait, mais cet argent n'a pas été mobilisé. J'ai eu 3 milliards de dettes de la part des Chinois. 6 milliards, dont les 3 milliards n'étaient pas à charge du Trésor, parce que ça devait financer un projet privé, même si j'ai quand même les actionnaires, j'ai quand même du droit privé. C'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise, même si l'État est actionnaire unique. Bien, et les 3 milliards, c'était pour financer les infrastructures. On avait mobilisé cet argent dans les proportions convenables. Nous aurions 3 milliards en plus. Et aujourd'hui, on serait à 9 milliards. Mais avec un niveau de croissance qui aurait augmenté du fait qu'on aurait fait les routes. Donc, j'ai commencé. Et si le gouvernement qui a suivi avait la même vision expansionniste du pays, eh bien, nous serions à un endettement de 20 milliards. Et peut-être notre budget aurait atteint 30 milliards. Moi, je n'ai pas peur de la dette. On a été traumatisé par une dette improductive qui a servi à consommer la fonction de l'État. Il ne faut pas que ce soit des contrats léonins ou des dettes pour faire tourner. Mais ça a été le cas. Mais les Occidentaux ont reconnu que ces dettes-là étaient contractées à des mauvaises conditions. Et ils nous ont accordé l'annulation à des conditions de gestion et de transparence. Aujourd'hui, la dette de la RDC est de combien ? Globalement, 6 milliards. Total. Je suis autour, si j'intègre la dette intérieure aussi, mais la dette extérieure, on est autour de 4-5 milliards. Seulement 6 milliards. C'est un signe de pauvreté. On pourrait lever combien ? Nous pouvons lever théoriquement, d'abord en termes de, par rapport au budget, parce qu'on a 3-4 grandeurs de référence. En termes de PIB, nous pouvons aller jusqu'à 50 milliards. À ce moment-là, nous serions 50 milliards sur 60 milliards, nous serions autour de 80%, c'est beaucoup. Il faudrait qu'on aille autour de 30 milliards. De la dette 30 milliards, ce serait 50% de notre PIB. Mais la question est celle de la consommation. Est-ce que nous sommes en mesure d'utiliser cet argent ? Est-ce que nous sommes en mesure ? J'ai travaillé avec des hypothèses, c'est une question de débat. Selon moi, nous pouvons les consommer en finançant les infrastructures de manière simultanée à travers nos provinces. On ne peut pas prendre de dette parce qu'on ne serait pas en mesure de... Non. C'est une question du niveau de l'endettement par rapport aux besoins et par rapport au rythme de consommation. Les besoins sont énormes. C'est pourquoi je suis entre, d'une part, il y a le besoin, d'autre part, il y a la capacité à couvrir ce besoin. Bago, Bessobilo, quoi, on te donne à manger, tu n'es pas capable de manger parce que tu n'es pas habitué à bien manger. Tu comprends? Donc, il faut aller doucement. Parce que ce développement que tout le monde appelle, il ne sera pas possible sans endettement. Je suis entré. Et vous dites qu'on est incapable de pouvoir prendre de l'argent parce qu'on n'a pas l'habitude de manger, on sera incapable de manger. Non. Je ne parle pas dans l'absolu. J'ai dit on doit s'endetter, mais dans quelle proportion, c'est débat. Nous avons les potentiels, quantitativement parlant, d'aller jusqu'à 100% du PIB qui est de 60 milliards. Mais nous n'allons pas emprunter 60 milliards. Encore que même si nous empruntons, nous n'allons pas utiliser les 60 milliards. Mais même si c'est 30 milliards d'endettement, on prendrait 30 milliards dans un pays de 2 345 454 km², pour en faire quoi? Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tu veux avoir un poulet ou toi tu peux prendre deux poulets. Tu dis j'ai deux poulets, mais tu n'es pas en mesure de consommer au regard de ta capacité de consommation du moment. C'est pourquoi j'ai dit il faut étaler ça dans la durée en fonction et des besoins et de nos critères de performance. Mais le gouvernement va dire, nos partenaires, nos bailleurs de fonds vont nous dire, mais vous voulez prendre ça, comment vous allez utiliser ça? Prenez petit à petit, mais on peut signer un contrat pour tel montant, mais dans la durée, vous utilisez progressivement ça. Tu comprends? Mais je voudrais terminer en succès point précis pour dire que les critères, c'est d'abord notre production globale. Le deuxième critère, c'est notre budget. Et aujourd'hui, on a un budget qui peut approcher 10 milliards. Si nous endettons pour 20, 30 milliards, les services de la dette, c'est-à-dire la tranche à rembourser, et les intérêts relatifs au crédit restant, à la dette restendue, peut nous amener à 1 milliard et demi. Si nous alignons 1 milliard et demi sur notre budget de 12 milliards, nous pouvons payer. Mais pourvu qu'en contrepartie, on ait un niveau d'endettement qui nous permet, non seulement sur les plans de trésoreries, nous aurons payé 1 milliard, mais nous pouvons avoir 4 milliards qui permettent de financer la construction des routes. Mais sur 5 ans, nous pourrions atteindre 15 milliards, qui correspondent au rythme d'utilisation et d'affectation de cet argent. Vous dites tout dépend de la production globale, mais comment on va augmenter cette production globale? Déjà, actuellement, avec 60 milliards, qui est notre production globale, nous pouvons aligner
30 milliards de dettes, quitte à les consommer dans la durée, et de la part de ceux qui nous prêtent, ils vont regarder quel est notre niveau de consommation. Parce qu'on va leur dire à quoi nous allons destiner cet argent. Ils vont regarder techniquement si nous pourrons épuiser ça. Sinon, ils vont décaisser un peu moins. Mais dans la durée, on peut aller 5 milliards ou 3 milliards chaque année. Sur 5 ans, on peut consommer 15 milliards en route, en infrastructure, par exemple. Mais aussi, on va regarder notre capacité à financer le service parce qu'on rembourse en devise. On va regarder notre balance de paiement. La norme dit que vous ne pouvez pas avoir un service de la dette qui va au-delà de 15% de vos recettes dans l'exploitation. Sinon, vous allez utiliser toutes vos recettes. Utilisez toutes vos recettes à rembourser la dette. Vous n'en aurez pas pour financer vos importations. C'est pourquoi la norme du service de la dette, c'est 15% des recettes d'exportation sur la balance des paiements. Aujourd'hui, nous avons un revenu national brut. Par hypothèse, on n'a pas les chiffres. Si nous avons nos recettes d'exportation à 10 milliards de dollars, nous pouvons collecter, prendre 1,5 milliard, ce qui représente 15%. Seulement. Et pour affecter ça au remboursement de la dette, on sera dans la norme. Donc les Congos aujourd'hui en mesure de supporter une dette, un service de la dette, c'est-à-dire les montants remboursés au titre d'intérêt du principal, des 1,5 milliard. Donc aujourd'hui. 1,5 milliard. Donc nous remplissons les trois critères. PIB, 30 milliards, ça va représenter 50% des dettes, mais pas une dette en un an, c'est dans la durée. Non, j'ai compris tout ça, bien. Ça peut... Deuxièmement, la conclusion. Nos recettes d'exportation nous permettent de faire face au service de la dette. Notre budget aussi nous permet de passer de 200 millions de dollars, qui est le service de la dette aujourd'hui, à 1,5 milliard. On a bien compris tout ça, mais ce qui nous importe plus à nous, c'est l'objectif. Nous sommes aujourd'hui dans un revenu national brut à environ 1 500 dollars. Revenu par habitant. Non, nous sommes à 500 dollars par habitant. Ah ben voilà. Et par encore conséquent. Pire, encore pire. Tu permettais que je tire la conséquence de ce que vous dites en termes chiffrés. Oui. C'est que 500 dollars par an signifie 1,3 $ par jour. Or, avec 1,3 $, la norme pour être pauvre, c'est d'avoir des dollars. Nous consommons, nous sommes en deçà de la pauvreté, on est des sous-pauvres. On a bien compris tout ça. Mais le problème, c'est que beaucoup ont promis, vous aussi, de faire de ce pays un pays émergent à l'aube de 5-10 ans. Oui, mais toi, tu as parlé de 2030. Et vous aviez parlé de... Non, moi, je n'ai jamais parlé. Moi, j'ai dit dans ma tribu. Dans ma tribu, nous devons d'abord cesser d'être sous-pauvres, entrer dans la cour des pauvres. Et vous, C'est alors que nous serons sur la liste d'attente de pays émergents. Et dans votre tribu, vous nous voyez pays émergents à quel horizon? Non, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui. D'abord, avant d'aspirer à être pays émergent, il faut aspirer à être pays pauvre. Nous ne sommes pas un pays pauvre, on est un pays sous-pauvre. Un pays émergent à partir d'un revenu de 3 000 et plus. 3 000 dollars par an. On y sera. 3 000 dollars par an, nous sommes à 500. On n'y sera jamais. Nous sommes à 500, attendez. Laissez-moi développer ma pensée. Oui. Nous sommes à 500 dollars par an. Il faut atteindre d'abord 1000 dollars par an pour entrer dans la cour des pays pauvres. S'il vous plaît, c'est ça la moyenne africaine. Voilà. Les pays pauvres, la Côte d'Ivoire et tous les autres. Bon, l'Angola est déjà dans. Est plus ou moins dans la ligne de pays à haut revenu. Les pays qui peuvent aspirer à l'émergence. On arrive encore à l'émergence, c'est ça, un pays pétrolier. C'est un pays dont l'économie. On arrive à l'émergence si vous commencez à avoir un PIB de 5-10 000 dollars par tête d'habitant. On y arrive quand? D'abord, je vous réponds sur l'horizon qui est perceptible. Si on s'endette, si on a la possibilité de s'endetter comme vous voulez qu'on le fasse. S'il vous plaît. Je refuse de parler de l'émergence avant d'avoir parler de la pauvreté. On est en dessous du seuil de pauvreté. On a bien compris c'est tout ça. Mais ma question est la suivante. Je ne peux pas, en tant qu'homme d'État, donner l'espoir sans chiffrer et sans être sincère. Je vais vous dire. Il nous faut une croissance de plus ou moins 100% sur 5 ans. D'où il faut qu'on atteigne un taux de croissance à 2 chiffres. Et moi, je pense qu'avec l'économie de marché, nous n'y parviendrons pas. Il faut un minimum de planification. Donc, il faut un taux de croissance que nous choisissons qui peut aller au-delà des 10 à 15%. À partir du moment où nous pouvons, sur 5 ans, cette hypothèse-là, nous pouvons, sur 5 ans, passer d'un PIB de 60 milliards à un PIB de 120 milliards, donc doublé, rapporté à la population prévisionnelle qui sera de 120 millions de Congolais, si vous avez... Vous avez 120 milliards, vous doublez le PIB, ça signifie que vous avez 1000 dollars par Congolais. On y sera jamais. Du moment où vous entrez dans la cour des pauvres. On n'y sera jamais. Mais c'est pourquoi il y a un leadership politique crédible. Leadership politique en termes pas d'individus, mais de partis politiques. C'est-à-dire en termes de la qualité de partis politiques porteurs
d'offres politiques, des projets politiques. Okay. Et la synthèse, la combinaison, les alliances crédibles sur fond, non pas des personnes, mais sur fond des projets politiques, sur fond des offres politiques dont il faut faire la synthèse. On arrive à la politique. Pour notamment ce collectif budgétaire, j'allais vous parler de cette Assemblée nationale. Vous dites que l'initiative ne vient pas d'elle, mais vous êtes vous-même député. Oui. Cette Assemblée nationale pourrait être plus volontaire si jamais des personnes comme vous qui appelaient à ce que cette, vous dites illégitime, Assemblée nationale illégitime, vote un nouveau budget, si vous participez à son action. Je participe à ma manière, dans le peuple, parce que le vrai Parlement, c'est dans le peuple. Et je propose déjà ce que j'ai fait ici, c'est un travail. Ce que nous avons fait comme proposition en termes des différentes lois, je le fais dehors. Et donc, je fais mon boulot de député dans le peuple parce que je ne veux pas de cette assemblée-là institutionnelle, en tant qu'institution. Oui, mais cette assemblée fait partie de ces institutions qui, 20% consomment, vous l'avez dit, 50% de la richesse nationale. Vous en faites partie. Est-ce que cela ne vous gêne pas la richesse nationale. Ouais, vous parlez de l'enveloppe budgétaire. Oui, je parle de l'enveloppe budgétaire. Salariale. Ouais. Vous en faites partie. Oui. Cela ne vous gêne pas. Ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, en termes du peuple, j'ai dit non à cette illégitimité-là. Je suis dans la contestation. Je vais être sincère avec vous et avec le peuple. Je suis en train de manifester ma contestation. Je n'y vais pas pour ça. Mais pourtant, je travaille. Comme député élu. Mais ce n'est pas la contestation. Vos tribunes, ce n'est pas la contestation. C'est l'opposition constructive. La contestation par rapport au pouvoir politique, au régime politique et institutionnel. Mais les oui par rapport au service du peuple, parce que ce que j'ai dit peut leur profiter et doit leur profiter. Je suis dans cette contradiction. Là, dialectiquement, j'y travaille, mais je ne veux pas le faire dans l'institution. Je préfère le faire dehors et faire profiter à ceux qui sont là. Même si je ne les reconnais pas, je prends acte de ce que c'est que eux qui dirigent la nation, c'est eux qui influent sur la vie des Congolais, mais je donne ma contribution. Mais je continue à symboliser la contestation, dont on a d'ailleurs besoin pour faire avancer la société. Contestation ou opposition? Dans les institutions, c'est l'opposition. Vous parlez de la qualité des partis politiques. Oui. Est-ce que vous pensez que cette manière de contester, plutôt que d'être en opposition, plus constructive. Vous savez, moi, je suis... mon parti est dans la Moka. Nous combattons ce pouvoir du point de vue de l'état des droits, du point de vue de son illégitimité. Est-ce que nous voulons, c'est qu'il fasse des réformes pour que demain, il y ait la vérité des urnes. Mais comment attendre d'un pouvoir illégitime, des réformes dans lesquelles vous ne participerez pas, qui ne seront pas Mais la contradiction vient déjà de ce que vous voulez. La contradiction vient déjà de la conscience, c'est qu'elle est républicaine, elle a établi des lois, elle a établi à travers les lois organiques qui dépendent de cette constitution, que nous soyons une république où on respecte la souveraineté du peuple, où les élus doivent venir de la volonté du peuple. Nous avons des élus qui ne viennent pas de la volonté du peuple. Nous sommes dans une contradiction sur laquelle il faut s'exprimer. Nous nous exprimons en disant, nous voulons que la Constitution soit respectée. Et nous nous battons pour que ceux qui sont là puissent respecter la Constitution. S'ils le font, tant mieux, et par conséquent, le pays peut avancer. Si nous tous nous acceptons ça, nous entrons tous dans la contradiction, et ce n'est pas bon pour le pays. Mais aujourd'hui, ce que vous faites, ce n'est pas entrer dans la contradiction? Non. Ce travail intellectuel que vous faites, quand je vous à dis, partir quand, d'une action d'acteurs qui ne sont pas, selon vous, légitimes et qui n'obéissent rien. Quand nous faisons des propositions, nous les proposons à la nation et nous pensons qu'elles peuvent inspirer ceux qui sont dans les institutions. C'est pour faire avancer le pays par rapport à ses propres contradictions. Et donc, c'est pour cela... Je contribue dans la lutte, grâce à ce que je reçois du Parlement, je finance la résistance, je finance les études dont le Parlement a besoin aussi. Et que vous, donnez, pour, que vous donnez au Parlement. Que je mets à la disposition du pays. Et le Parlement va s'en inspirer. Vous avez des relais là-bas, vous leur envoyez, vous leur faites part de vos craintes, de vos critiques? Oui, je le dis à haute voix, dans les manifestations, dans mes tribunes. Vous parlez de la qualité des partis politiques, vous parlez aussi d'alliances crédibles. Oui. Yeah, quand je parle de partis politiques, attendez. Oui, la qualité des partis politiques. La qualité, la qualité et la quantité vont ensemble. La quantité, quand tu prends que le parti qui dirige aujourd'hui, oui. Le parti présidentiel ne pèse que 6%.
Il dirige une coalition de 70% dont les partis qui sont supposés qui sont sous sa direction pèsent un peu plus avec 200 députés. Encore que ces députés-là, tels qu'ils sont, ils sont sans tête ni queue parce qu'ils n'ont pas de leadership. Ils viennent du FCC. Est-ce qu'ils sont encore des FCC? Moi, je pense que oui, parce que les FCC qui est resté avec 150 députés, les FCC de Kabila, n'a jamais récusé ces députés-là. On parle de loi électorale en ce moment, et certains disent qu'à l'issue des élections, qui soient le plus claires et transparentes, enfin, qui soient crédibles et transparentes, certains, on limite le nombre de partis. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose? Est-ce que, selon vous, cette limitation du nombre de partis politiques, qui, pour beaucoup, vous voient obligés de fusionner autour d'idées, va augmenter la qualité des partis politiques? Nous espérons. Est-ce que cela va augmenter la qualité des partis politiques? Est-ce que c'est une, est-ce que ce serait une bonne chose? De quoi? De remanier cette loi électorale dans ce sens-là. Oui, mais la loi électorale, initialement, il y avait le seuil. Il fallait avoir un certain nombre de députés, un certain pourcentage pour être retenu comme parti éligible. Mais je crois qu'ils ont transposé ça. Ils ont fait autrement dit, donc, il faut d'abord avoir un minimum de représentativité à l'échelle nationale. Et les partis doivent se soumettre à un exercice qui veut qu'ils aient autant de députés que possible. On parle de 60%. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un parti d'être petit. On vous demande d'être grand aussi. Qu'est-ce qui devrait arriver à ces partis qui n'ont pas obtenu... Ils vont fusionner ou ils vont disparaître. La loi devrait prévoir qu'ils disparaissent? Non, mais la loi crée un mécanisme d'arbitrage qui, par définition, permet aux partis de s'exalter et de monter. La loi est toujours un choix. Mais nous aurions aimé que cette option, parce que vous ramenez la loi à cette option, très bien, mais cette option nous soit discutée entre parties prenantes. La MOCA, FCC... et la majorité actuelle supposée tous au réel. Tous présents à l'Assemblée nationale. Non. Je vous dis, une loi se discute par l'Assemblée, s'il te plaît. Techniquement, oui. Elle se discute entre partis politiques. Avant d'aller à l'Assemblée. Déjà, la majorité dans sa configuration, ou supposée au réel, cette majorité, devait se retrouver en tant que parti politique pour lever l'arbitrage. Ce sont les partis politiques qui iront aux élections. Ce ne seront pas les députés. Les députés seront des candidats investis par leur parti politique. C'est à eux de dire, voilà l'option que nous voulons pour notre nation, conformément à nos projets politiques ou à ce qui en sort comme synthèse. À partir de ce moment-là, c'est dans ce cadre que nous aurions pu discuter pour lever l'option entre parties prenantes, des vrais acteurs, et qu'au Parlement, on aille formaliser techniquement. Vous avez parlé aussi d'alliance crédible. Alors hier, M. Matata, avant-hier, c'était hier, avant-hier, avant-hier, ouais. M. Matata a rencontré M. Fayoulou. Est-ce que... Monsieur Matata a émis le souhait d'alliance crédible, notamment avec Monsieur Fayoulou. Est-ce que c'est possible d'alliance? Oui. Je n'ai pas entré dans le bloc. Ma conviction est que les alliances ne devaient pas être les fêtes des individus. Les alliances devaient être les fêtes des partis politiques. Ça permettait. J'ai fini mon raisonnement. Parti politique. Mais le parti politique, pas comme appareil politique, mais le parti politique comme projet, comme offre politique. C'est du débat qu'on peut dégager une synthèse. Et que par conséquent, le peuple soit pris à témoin pour cette offre qu'on veut lui proposer comme pour formaliser les contrats sociaux. Mais je souhaite que les choses se passent de cette manière-là. Mais maintenant, quand vous débattez, vous devez savoir quel est le parcours des uns et des autres, quels sont les bilans des uns et des autres, quels sont les projets des uns et des autres pour dégager une synthèse. Moi, je ne veux pas. J'ai des appréhensions, non pas par rapport à cette rencontre-là, mais j'ai des appréhensions parce que je voudrais qu'on ne se trompe pas, qui est pas comme à Genève. Non, c'est pas ça, je suis pas si négatif que ça, s'il vous plaît. Nous devons faire avancer le pays, mais avec des principes. Je me souviens qu'à Genève, nous avons sorti un candidat quand même, mais sans programme quand même. C'est une faiblesse dont nous connaissons les conséquences. Il faut évoluer vers l'émergence des partis politiques avec projets de société, que les synthèses lient les appareils politiques, éviter les alliances des individus et soumettre l'avenir des partis politiques aux humeurs des individus. Donc, je suis pour... parce qu'on ne sait pas gagner seul. Des alliances autour des programmes. Autour des programmes. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la autour MOCA. Autour des partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la MOCA. Avec Martin Fayoulou. Pourquoi du jour, j'y suis dans la MOCA. Oui. Je suis dans la résistance. Dans la résistance de la MOCA.
Et quand si, tu dis toujours, c'est comme si par après, il n'y aura pas la Mouka et tu avais une réduction là-dessus. Je corrige, vous êtes dans l'alliance avec les CID, Nouvel Élan et ACID. Depuis 3 ans et demi, vous êtes en résistance. Est-ce que vous avez déjà confronté le programme? Est-ce que vous... Très bien, merci pour la question. Nous sommes à la phase de la résistance. Il faut faire la différence entre les alliances et les résistances. Les élections, c'est dans 1 an et demi. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il faut faire la différence entre les alliances. Des résistances. Les alliances pour gérer ensemble, c'est le cas de l'Union sacrée encore, qui sont ensemble sans être d'accord. Les alliances ou plateformes électorales. Nous n'en sommes pas là, encore que nous n'avons pas encore d'offres politiques convenues. C'est ce processus qu'il faut considérer. 1 an et demi des élections. Ah ben oui, nous devons. Mais de toute manière, s'il y a des rencontres, que nous souhaitons qu'elles soient des rencontres pour discuter. Nous avons un pays où les gens se marient avant même de s'être fiancés. Un cadre de votre parti a récemment dit sur Top Congo, il a récemment accusé l'Église catholique d'être complice avec le pouvoir actuel et même a appelé les militants de votre parti à boycotter les manifestations du bloc patriotique. C'est la position officielle de votre parti? C'est pas la position officielle parce que nous avons rectifié. Nous avons confiance aux laïcs de l'Église catholique et protestante. Nous sommes d'accord qu'ils rassemblent les brebis pour une cause commune qui peut être ponctuelle. Mais si c'est pour créer un bloc, bloc signifie une structure, bloc signifie des objectifs, des éléments constitutifs qui s'engagent sur ces objectifs en tenant compte de ces objectifs. L'objectif actuel, c'est la lutte contre pour la vérité des urnes. Je n'ai pas l'impression que tous sont lutte pour la vérité des urnes parce qu'il y en a parmi... tu ne me laisses pas terminer. Oui, mais c'est la prochaine vérité des urnes. La vérité des urnes, c'était à 3 ans et demi, on en parle encore. Non, attends, s'il te plaît, la vérité des urnes, ce n'est pas celle de 2018. Nous nous battons fort de l'expérience de 2018 pour qu'il y ait la vérité des urnes en 2023 et pour l'éternité. Nous ne sommes pas sûrs de ça. C'est pourquoi la bataille, c'est la raison d'être de notre résistance. Nous nous battons aussi pour, corollairement, l'état des droits. L'état des droits commence par la souveraineté du peuple et respect de cette souveraineté telle qu'édictée par la Constitution. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, nous avons confiance à l'Église et nous voulons qu'elle peut rassembler tout le monde. C'est comme la messe écuménique, l'Église peut vous appeler ou les Églises peuvent vous appeler au stade de martyr. Vous n'avez pas dit tel doit être là, tel ne doit pas être là, vous n'avez pas le droit. Mais si c'est pour un bloc, le bloc, ça signifie une homogénéité d'objectifs. Et nous avons l'impression que autant la Mouka a lutté pour la vérité des urnes, autant les autres ont lutté contre la vérité des urnes. Alors il faut qu'on se mette d'accord, on se dise des vérités. Et peut-être que nous pourrions cheminer ensemble, quitte à ce que les gens disent qu'ils ne feront plus ça. Ils l'ont fait, qu'ils se sont trompés et qu'ils ne feront plus ça. Monsieur Adolphe Moussi, toujours merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette édition spéciale. On a parlé chiffres, on a beaucoup parlé chiffres, on a peu parlé politique. Pour les chiffres, beaucoup de pessimisme. Est-ce qu'en politique, vous pensez que... Je ne suis pas pessimiste s'agissant des chiffres. Non. On est sous-pauvre, il faut qu'on arrive pauvre avant de penser à être... C'est le réalisme. Oui, c'est le réalisme. Voilà. Mais cela ne nous amène pas, nous, à être pessimistes sur des lendemains meilleurs. Moi, je préfère vous dire la vérité. Et nous vous en remercions. Mais au niveau politique, est-ce qu'on doit aussi être autant pessimiste en termes de résultats, de qualité d'une classe politique? Ah oui, absolument. Parce que ce sont les partis qui dirigent. Quand le pays est conduit par un parti qui pèse que... Qui à peine pèse 10% et qui s'agglomère à son tour des partis de 1%, 2%, c'est un, regardez comparativement, l'Angola c'est 57%, un parti qui dirige. Il n'a même pas d'une table ronde pour se mettre, parce qu'il est représentatif déjà du peuple. L'Afrique du Sud, c'est l'MPLA. L'Afrique du Sud. En fait, nous voulons des partis représentatifs. C'est un travail qui parle déjà de l'offre politique, de l'implantation, de la mobilisation du peuple autour d'une idée à laquelle le peuple fédère pour espérer mobiliser le peuple et être porteur de, ses aspirations. Ça, c'est la théorie. C'est ce que je rêve. Non, c'est ça. C'est pas la théorie. C'est ce qui est réel dans d'autres pays et qui avance. Ça, c'est l'objectif qu'on devrait atteindre. Ouais. Mais si je vous pose la question, c'est pas uniquement en fonction des partis politiques. Ce que devraient être les partis politiques, c'est en fonction des acteurs politiques que nous avons. Est-ce que les acteurs, et ce sera ma dernière question, est-ce que les acteurs politiques congolais sont capables de nous fournir
ce que vous nous décrivez. Oui, mais je crois que dans la durée, nous devons nous remettre en question et prendre conscience par un diagnostic de nos faiblesses en tant que parti politique. Le débat démocratique peut servir à cela. Eh bien, si moi qui ai un jeune parti, je me mets dans cette option-là qui consiste à dire que je dois être le plus grand possible, pour cela, je dois être porteur d'une vision, d'un projet, d'une pensée qui fédère le maximum des Congolais, ce qui a déjà une prise de conscience. N'oubliez pas que je fais partie de cette classe politique. Mais je me remets en question en disant, j'ai un parti politique, je dois d'abord me constituer, je dois être fort avant même de prétendre amener les autres à me soutenir ou à amener les autres à aider, à aimer mon soutien. Monsieur Adolphe Mouzito, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Christian. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Longue émission nécessaire. On a parlé finances, on a aussi parlé politique avec le Premier ministre honoraire, Monsieur Adolphe Mouzito. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la rediffusion de votre émission Le Débat. Prochain rendez-vous avec édition spéciale. Très bientôt, sur un autre sujet. On a annoncé notamment un grand débat entre Monsieur Taylor Lubanga, conseiller à la présidence, et le député Déli Sesanga. Qui sait, dans les prochains jours, nous viendrons vous l'annoncer au préalable. Bonne soirée à l'écoute des programmes de votre radio.